Yo les copains sur YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que le confinement c'est pas très très difficile chez vous. En tout cas, on essaye de s'occuper comme on veut. Aujourd'hui, je lance le premier épisode, les amis, de la série qui s'appelle Top Faction. Donc le principe de ces 5 épisodes pour l'instant que je vais rec, c'est de présenter les grosses factions qui sont sur le OP Faction de pvp-warcraft.net. Aujourd'hui, on commence par la première, F-Top. On peut voir, ils sont déjà pas mal d'argent. La Z District avec les deux joueurs qui sont là, The Logix, c'est ça, et puis The Roxer, pardon. Bonjour les copains. Roxer. Bonjour. Salut les beaux gosses. Comment ça va? Bon, ça va et toi? Bah ça va, le confinement pas trop dur? Non. Ah si, hein, c'est long, mais c'est long en vrai, hein, t'es fou. Ouais, bah je me doute, mais bon, voilà. Donc alors les amis, aujourd'hui ce qu'on va faire pour ce premier épisode, vous allez ouvrir le bal de cette série, hein, le Top Faction. On va présenter votre farm. Donc vous êtes la première faction dans le F-Top, donc à mon avis ça doit être une farm qui est gigantesque. Vous avez combien de spawners les mecs à peu près dans cette farm? La chef top, 4600. 4600 spawners. Ouais. C'est incroyable. Donc je vous propose c'est qu'on va la visiter. C'est parti que les ordinateurs vont chauffer. Ils vont chauffer là. Suivons-nous. Donc c'est à l'étage, hein, voilà. Donc l'FPS il commence à baisser déjà. Ici c'est l'endroit où on vend. Donc là c'est ici qui récupère tout le fer. Donc là j'ai déjà un full foire. Évidemment si vous souhaitez. Qui est-ce qui veut que j'appuie sur F3 pour voir les coordonnées? Non, T'es fou! Donc les amis, donc voici la farm à golem. Donc là il y a 4000 spawners posés. Non, là il y en a 2000 et au-dessus il y en a encore 2000. Ah, il y en a encore au-dessus encore? Ouais, on a ouais. Une farm. Comment on fait pour aller encore au-dessus là? Je casse? C'est dans un coin. Tu vas dans Bien, c'est dans un des coins. Ah ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Ah putain, et le fer il tombe ici? Non, arrêtez. Voilà. Si, le fer il tombe si. Ici et puis il retombe dans la farm d'en dessous. Mais c'est un truc de malade ce que vous avez fait, donc c'est 2000-2000? C'est ça. Ouais. Putain, les gaillards, vous êtes des oufs! Ah, d'accord, donc je comprends comment ils se font les couilles en or. Donc j'espère que les factions ils vont se bouger le cul sur le PvP Warcraft. Donc les amis, donc ça c'est la farm donc de la Z District qui est pas mal. Vous êtes déjà fait piller votre farm ou vous arrivez à la protéger correctement? Non, bah regarde les protect. Non, je vais pas les regarder en vidéo, non. Bah regarde pas. Pour éviter. Mais 2000-2000 c'est vraiment pas mal, donc putain ça doit spawn à go. Bah vous faites combien d'argent à peu près par heure? Par heure on se fait 60 millions à peu près. 60 millions par heure, d'accord. Ah 60 millions par heure. Par heure on doit se faire à peu près 3 milliards 5 par heure, 3 milliards 6. Putain. C'est un truc de ouf. Et donc les gars, petite question, tiens, comme ça va être aussi ça va être un peu les questions qui m'intéressent là pour YouTube. Par exemple, est-ce que déjà vous recrutez dans votre faction? Est-ce qu'il y a peut-être des joueurs qui vont chercher une faction sur cette vidéo? Est-ce qu'il y a des joueurs, est-ce que déjà vous recrutez? Est-ce qu'il faut avoir un grade spécial pour être dans votre faction? Enfin, pour l'instant on est à 15 donc on peut plus recruter, mais on a créé une autre faction, la District V2, donc ouais on recrute sur la District V2. D'accord, il faut un grade spécial, pas du tout? Non, pas de grade spécial. Putain, mais c'est un juste truc de être fou. Cool. Et être autonome aussi un petit peu quand même. Ouais, c'est ça. Après c'est pas parce qu'on a plein de monnaie qu'il faut un nombre de monnaie minimum pour venir dans la faction, on s'en fiche. D'accord, ok. Et petite question comme ça. Quelle est la faction que vous pouvez pas saquer quoi? Genre ils vous gavent les joueurs là, il faudrait les ban. Franchement, direct, je dirais la OWAX, ouais. Mais ils sont plus là. Ouais, ils sont plus là. Après la Chicken, mais ils sont plus là non plus donc. Moi je dis la Sinistral direct cash. Ouais, la Sinistral. La Sinistral, ils sont dans le top? Ouais, ils non, sont pas six. Du tout. Si, si, mais six. Ouais, mais ils ont que dalle aussi. Vous gagnez que de l'argent avec ces golems ou il y a une autre méthode? Bon, des moments farm en plus. Vous ouais, avez que ça comme farm ou il y en a d'autres? Et puis on farm avec des autres trucs. Bah, attention. Je l'ai pas dit, c'est Thomas qui l'a. Ici, c'est les slimes, donc ouais, c'est vraiment plus petit, ça a rien à voir avec les golems. Oh putain, quand ouais, même. Non, ça a mais rien ils à ont l'air de bien spawn. Mais c'est juste un plus quoi. Ouais non mais c'est sûr, c'est ça arrondit les fins de mois entre guillemets. Mais ça va, et là ils sont pas encore posés donc c'est vraiment la création de la farm quoi. Ouais. D'accord, donc ça c'est cool que vous alternez entre deux mobs, je pense que c'est la meilleure technique à faire sur Warcraft entre golem où il y a aussi les magma Q mais c'est chiant à farm aussi. Et surtout que le golem en fait on doit être AFK donc ouais, c'est voilà. Quand même bien de faire des trucs quand même. Ouais pour vous, putain j'arrive pas. Je vois ça, t'es en pleine galère là depuis tout à l'heure. C'est dur à monter les échelles. Donc, bah voilà, bah merci en tout cas les gars pour cette présentation de farm de vos bases.
Donc, ceux qui veulent venir, les amis, vous les contactez en jeu. Hein, c'est les deux. Je sais pas si c'est les deux créateurs, je pense. Mais bon, voilà, on est quatre à l'avoir créé à fac. Il y a deux factions, ils recrutent, pas besoin d'avoir de grade, pas la peine d'avoir de la grosse monnaie, peut-être fort en PVP, peut-être si vous avez des méthodes de pillage également. Vous avez des méthodes peut-être de pillage vous à conseiller ou pas, vous gardez ça secret? On garde ça secret quand même. Ouais, pour pas gros trop... canon de l'extrême, tu connais. On va pas trop dévoiler vos techniques. Non mais c'est cool, n'hésitez pas les amis à commenter la vidéo. Si la vidéo fait 1000 vues, en 24 heures je leur offre 6000 points boutique chacun. Non je rigole évidemment. Ils étaient dit en sûr. N'hésitez pas à liker les amis, restez bien chez vous, commentez le nom de votre faction si vous jouez sur Warcraft. Et évidemment si vous avez des questions par rapport à la faction, peut-être qu'ils répondront dans les commentaires. Voilà, merci à vous deux les potos. De rien. De rien. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.